Salut à tous, nous voilà de retour du coup sur le serveur cette fois Poudlard RP. Alors, attendez, je règle mon chat. Voilà. Alors, on se réveille tranquillement, on sort de dortoir, on s'habille. Avaras qui vous dit coucou Twitch. Alix Estrange qui dit aussi coucou Twitch. Evan aussi coucou Twitch. Ouais, ouais, ouais. Kyo Kyo le retour. Alors, par contre, tout à l'heure, je crève la dalle. Je me suis préparé un petit wish-wish des familles. Plus de bêtises. Pas mal. Je fais tout le temps des bêtises. Ah. Un repas, merde. Ça tombe bien, je crève la dalle, je vais faire mon RP, je mange. Salut! Bonjour! Ça va, poteau? Ça va? Ça va, poteau? Oui, toi! Ouais, viens, on va manger! Dis-moi, est-ce que tu as vu mon frère par hasard? Lequel? Le Dragon Oristou! Ça fait un moment que je l'ai pas vu! Ça fait un Moi moment que je l'ai pas vu! Non plus, hein, y a personne qui l'a revu depuis un bon moment quand même! Hein. Bonjour monsieur. Hop là. Je sais pas ce que, qu'est-ce que le docteur fait, mais genre il a vite libéré sa place de prêtre. Salut Joe, comment tu vas? Bonjour monsieur, bonjour madame. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Ça va, ça va.
Vous faites quoi à l'école? Vous êtes là encore pour protéger des méchants? C'est ça. Bah merci en tout cas. Il n'y a pas de quoi. Eh ouais, Joe, du coup, je suis un petit peu sur RP US Mode. Vous êtes en retard. Veuillez m'excuser. Excusez-moi pour mon retard, monsieur. Ça tombe bien, j'ai faim. Vous ne vous excusez pas, mademoiselle. Si, j'ai dit bon, trop, moi. Bien. La prochaine fois, ça sera des retraites, point. Monsieur le général. Tous les griffondeurs sont priés de se rendre dans la grande salle sous peine de sanction. Hop là, ça ne regarde pas. Dessus quand même. Bah écoute, là on est 26. Dis donc, vous. C'est un savoir qui a ouvert récemment et donc, déjà, dans lequel je fais le plus de pub possible pour leur attirer du monde. J'ai une grosse partie de ma communauté qui est dessus. Absent. Que ça va. J'attends un peu plus de monde, J'aimerais bien que les streams, ça les fasse booster. Je sais qu'à chaque fois qu'il y a des gens qui passent, ils voient le stream, ils viennent se connecter sur le serveur. Si on arrive à être une cinquantaine à l'occasion, ça pourrait être cool. Dis pas ton dragon. Ça marche pas, vous pouvez pas faire comme moi, monsieur. Moi, mon œuf de dragon, je l'ai donné au mange-mort. Je vais retirer point pour Gryffondor dû à leur absence. Tant pis pour eux. Me revoilà. Et du coup, vous savez ce qui se passe ou pas? Bien. Bien le bon, alors bien le bonjour, cher élève. Aujourd'hui, je suis, comme à l'habitude, souvent j'entre dans les cours, je regarde ce qui se passe. Dépêchez-vous. Ah, attendez donc. Vous me faites un appel des serpentards, monsieur, vous, là. Et vous m'enlevez 5 points par élève absent. Coucou Salazar. Salut. Sébastien Frit. Il y a un affront au milieu. Et une autre. Sayana Potter. Ouais, elle est là. Elle est ici là. Je suis là. Sorcerer rouge dans la sec pour. C'est une blague, monsieur Diallo. Mais Aboubakar, tu fais quoi? Non. Serpentard. Mais non, mais Aboubakar, mais ouais. Ah, silence. Mais non. Silence. J'ai pas eu ta réponse à 5 pubs. Du coup, je fais l'appel. Sébastien Lafitte. Sayana Potter. Ouais, je te disais du coup. Je suis là. Azalej Dizor. On est. Je suis là. 26 Salazar parce qu'une trentaine. Pétantard. Alors c'est Salazar Pétantard. Pétantard. Ok monsieur. Vous connaissez pas Pétantard monsieur? Vous connaissez pas Pétantard? Mactavi. Présent. Oui. Et Jean. Avec ma commu on essaie de le remplir. Présent. Mais ouais c'est. Arrête de faire des bruits bizarres là. C'est 26 joueurs c'est pas trop mal pour commencer ça. C'est un doué. Il est là, oui, à votre droite, monsieur, à votre droite. Ah, de vue. Aboubakar, je l'ai vu. Edouard. Soui Edouard. Attends, j'ai réglé les pubs pour que ça soit le moins possible, je comprends pas. Je suis là. Mais non. Waouh. Ok, c'est bon. Ah, y'a des gens, c'est ce qu'ils font. Non, ils font dernier, des bêtises et ils font que parler. Ils font des bruits bizarres là. Très bien, j'ai envie de te faire manger ton assiette. Taisez-vous! Vous taisez maintenant! Vous prenez pour qui? Le prochain qui parle, c'est moins 5 points! N'hésitez pas à leur enlever. Mais c'est pas grave s'ils parleront en même temps. Ça les incitera à être plus respectueux envers le personnel de Poudlard. Bien! Je disais. Bonjour monsieur. Je suis comme l'habitude, vous devez souvent savoir que des fois je rentre dans les cours, voir comment ça se passe. Là je suis rentré dans un cours, beaucoup d'élèves étaient présents à Poudlard. Cependant je suis rentré dans le cours, il n'y avait que 3 élèves. Les autres élèves, où étaient-ils? Ah ben ça,
c'est à vous de me le dire. Donc dorénavant, même là, les cours sont toujours obligatoires. Dorénavant, si des élèves sont absents en cours, il y aura une perte de points pour leur maison. Donc là, je vais vous réciter le barème des points. D'abord, allez-y, mademoiselle Knight. Mais si jamais on est dans notre tête, on perdra quand même des points pour être absent. Qu'est-ce que vous entendez par dans votre tête ? Dans votre tête, vous êtes toujours présente, à part si vous dormez. Si vous dormez, on ne dort pas le jour. On dort non, la mais nuit, si on est présent là, mais qu'on est, on va dire, dans la lune. Je sais pas si vous voulez pas que je parle chinois. À l'infirmerie. Je ne vois pas ce que vous voulez dire, mademoiselle. Dites à la fin. Okay, vous serez quand même sanctionné. Ah, la meuf, franchement. Après, le problème, c'est que c'est sa meuf qui ouvre ses portes au début du temps. Quand donc, on est ici, parle comme Avenger, c'est pas censé s'entendre. En cours. Mais... C'est pas pour, excusez-moi du terme, mais glander. En attendant dans un coin, n'a pas bougé pendant des journées. Donc, j'ai déjà vu une fois un élève qui était assis sur un banc toute une journée. Voilà, un moment. Donc, je vais vous réciter un barème des points, comme je vous disais. Préparez-vous, ça risque d'être long. Donc, pour toute utilisation de sortilège dans... Silence ! C'est qui a parlé ? Bien. Donc là. Et voilà, encore. Donc, pour toute utilisation de sortilège dans Poudlard, c'est moins 5 points. Pour insubordination, c'est moins 5 points. Là, surtout pour vous, les Serpentards. Notez bien que pour prise de parole intempestive durant un rassemblement ou bien un cours, c'est également moins 5 points. Cependant, si je m'aperçois que même avec 3 points en moins, vous continuez à parler, je mettrai à 10. Jusqu'à, si je vais montrer, j'augmenterai juste le temps qu'il faut. Ça pourrait aller à 10 jusqu'à... Je n'ai pas de limite au standard des points. Donc, si vous voulez jouer avec moi, vous pouvez. Mais sauf que vous ne gagnerez pas face à moi. Oh, Rivito. Donc, pour manque de respect envers un camarade, c'est vous. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est. Non. Inutile d'aller aussi près de. Monsieur. Monsieur. Venez, approchez-vous. Oui. Inutile d'aller près de. Non, mais. C'est un rock, on vous parle là. Oh, tu t'es là ? Tes commentaires, tu gardes pour toi. Vous... Oh ! Comment vous parlez aux élèves ? Vous tutoyez pas un élève. On ne tutoie pas. On vous voit. Bref, on discutera après de la discipline, nous deux, monsieur. Donc, pour manque de respect envers un camarade, c'est moins 5 points. Cependant, pour manque de respect envers un membre du personnel, c'est moins 10 points. Pour une agression envers un camarade, c'est moins 15 points. Pour une agression envers un professeur ou bien un membre du personnel, c'est 20 points. Il faut savoir que les elfes de Poudlard font partie du membre des personnels. Donc, ils peuvent vous retirer des points ou vous ajouter des points. Ils peuvent vous mettre en retenue et vous sanctionner, les elfes. Donc, je vous déconseille de jouer au malin avec eux. Bien. Ensuite, pour une sortie dans Poudlard sans autorisation, pour un élève inférieur à la troisième année, 25 points. Après, ça m'étonnerait que vous ferez ce genre de bêtises, mais je vous le dis quand même. Pour une trahison de Poudlard, c'est moins 100 points. Mais après, ça, c'est pas quelque chose qui est très courant
Voilà, donc c'est juste, je le dis quand même, car ça fait partie du barème. Cependant, il faut savoir qu'on peut enlever des points, mais on peut également en rajouter. Pour une bonne participation à un cours, c'est-à-dire si vous participez souvent durant un cours, vous pourrez obtenir 5 points à la fin de ce cours. Si vous aidez un camarade, vous obtiendrez 10 points. Si vous dénoncez un camarade qui a commis une infraction, vous aurez 10 points, c'est ça. Et pour performance exceptionnelle dans un domaine, c'est 15 points. Eh ouais, non, désolé. Ce que j'entends par là, c'est par exemple, c'est si vous avez des très grandes connaissances dans un domaine et vous faites un très bon exposé, ou même si vous avez une bonne performance artistique, que ce soit d'un instrument ou d'une pièce de théâtre. Est-ce que ça t'a donné envie de manger des apéritifs cubes ? C'est ça le plus important. Pour aide envers le personnel, c'est 20 points. Moi, juste, tu m'as dit apéritifs cubes, j'ai faim. Pour le sauvetage d'un camarade, c'est 25 points. Et je vais au saumon, points. Mon préféré. Pour le sauvetage d'un membre du personnel, c'est 30 points. Et pour aide à la protection de Poudlard, c'est 50 points. Donc, les personnes qui sont aptes à mettre des points, plutôt à ajouter, retirer des points, sont tous le membre du personnel de Poudlard, y compris les préfets et les préfets en chef. Cependant, les préfets ne peuvent pas retirer de points ou ajouter de points à un autre préfet, que ce soit de sa maison ou d'une autre maison. Cependant, ils peuvent, si par exemple un préfet de Pouf Souffle ou un élève de Serpentard commettre une infraction, il peut lui retirer des points. Bon, est-ce que vous avez des questions ? Il y a eu beaucoup d'informations. Comment tu vas, Anno, sinon ? Monsieur Mélégus ? La forme ? Oui. Monsieur Mélégus ? J'ai eu des plaintes par rapport au monsieur Xar Azrog de la part de certains élèves qui ont assisté à son cours tout à l'heure. Ah bon ? Oui. Ils se sont plaints qu'ils lui parlaient trop familièrement, comme si c'était des potes. Oui, mais on réglera ça plus tard, là, pas devant les élèves. Voyons, ça n'est pas... On regarde pas les élèves. Ça, je m'occuperai de monsieur plus tard. Bref. Vous, on est en discussion dans mon bureau aussi. La prochaine fois, on évite de prendre un professeur devant les élèves comme ça. Donc, ensuite, c'est tout bon, il n'y a pas de questions. Donc, c'est parfait. Donc, maintenant, là, je prends en compte que tous les élèves Poudlard sont présents. Et toi, jeune. Je suis pas vieux. Donc, je n'aurai pas besoin de le répéter à chaque fois. Ouais, moi, ça m'a nickel, poteau. La coupe des quatre maisons se déroulera dimanche, c'est ça, dimanche. Et c'est là où les gagnants seront mis à l'honneur. Cependant, c'est pas une surprise, sachez-le. Il y a le sablier qui est là. Si il marche, attendez. Donc vous pouvez suivre l'évolution avec ce sablier. Et même, donc sachez je que note, je note. Les couleurs qui s'afficheront, ce sont les couleurs de la maison qui aura gagné la coupe. Sachez que gagner la coupe des ramener la coupe à la maison est un très grand honneur pour la maison. Et c'est quelque chose que vous devez prendre en compte, étant donné que c'est pendant un an que vous conservez cette coupe. C'est-à-dire que pendant un an, vous aurez la fierté d'avoir gagné la coupe. Donc, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Et aussi, il faut savoir que la dernière maison, arrivée en tête, devrait se remettre en main. Là, une petite idée de la maison qui devrait se reprendre en main avant peut-être la dernière place. Je parle bien évidemment de la maison Serpentard, qui depuis le début de l'ouverture de cette école a un mauvais comportement. Je t'avoue qu'il devrait le 7, il est trop. Donc là, je vais m'approcher plus vers vous. Donc, notamment
vous, c'est quoi monsieur son nom, Moctavi, monsieur Diallo. Trop loin. Et monsieur Mezrog qui a fait perdre. Donc, je vous conseille, vous. Bon, ça commence reprends... à m'appeler. Son nom est dans sa tête. Au fond. Vous n'êtes pas autorisé à parler. Bref, je vous conseille, vous, les élèves sérieux, de faire comprendre à vos camarades qu'ils doivent se reprendre en main. Mais oui, les gars, c'est la décadence, ok? Faut arrêter de faire des bêtises, moi. Silence! Donc, les aurores là-bas m'entendent. Les aurores tout au fond, est-ce qu'ils m'entendent? M'étonnerait. Ouais, non, ça va, ça. Non, là, ils sont trop loin, je pense. Hein. Ils c'est sont c'est trop loin, je vais leur dire qu'ils se rapprochent. Non, les aurores, pas toi. C'est au fond là-bas. Et il est où le chef du département de la coalition avec Poudlard? Oula, en français, monsieur, s'il vous plaît. Vous voulez vraiment que je vous enlève 5 points? J'arrive, je cherche un truc. Les euros. Bonjour. Comment ils vont? Bonjour, monsieur. Monsieur, vous vous asseyez bonjour, ici. Bonjour, monsieur. Comment je m'assois? Oh là là. C'est qui? Oh! Veuillez quitter cette salle, je vous prie, ou aller au fond. Le directeur, j'ai appelé les oranges. Vous allez-y, il vous appelle le directeur. Il nous appelle, pas vous. Allez. Vous pouvez parler en silence, s'il vous plaît? Dépêchez-vous. Et surveillez votre langage devant les serpentards. Taisez-vous, les serpentards. Qu'est-ce qu'ils font? C'est pas nous qui qu'est-ce parlons, qu'est-ce en fait. Donc, merci de pas nous dire c'est terme, pas nous qui c'est parlons, nous c'est qui parlons. Les messieurs, là. Il y a un match qui ne veut... Bon, bonjour, que se passe-t-il? Non, mais rien, je viens entendre... C'est un travail pour vous, monsieur le directeur. Ah, vous aussi, vous pouvez rester. Cependant, vous, non. Vous, vous me le mettez vous me l'emmenez, vous me l'arrêtez, celui-là. Vous me l'emmenez au ministère. Ouais. Car lui, il était avec Madame Malice quand, sur votre crâne, monsieur. Durant l'incident, j'ai oublié de préciser. Oh. Vous m'amenez, vous discutez de lui, de l'incident. Car lui... Alors, faut le poursuivre, il court, hein. T'es fou. N'importe. Bref. Pardon. Bonne pizza, fromage et kebab. Pizza, fromage, kebab. On a beaucoup de plats. Kebab monsieur. À côté. Souhaitez-vous la venue de Sam? Mais vas-y, fais venir ton frère. Ah, le chien. Enfin, mon frère, du coup. Ok, Mélanis. Sam Pétantard. Sébastien Lafrite est venu sur l'estrade et m'a fait un bisou sur le crâne. C'est quand même très déplacé pour un élève. Putain. Monsieur. Allez, cassos. Qu'est-ce qui vous fait rire? Non, c'est juste que vous avez dit vous prenez trop de place. Ça m'a fait rire. Excusez-moi. Arrêtez de vous moquer, c'est parce que c'est un professeur, vous devez engager de l'harcèlement vers notre professeur en plus. C'est le mauvais exemple à montrer vous, à des collégiens. Il faut vraiment qu'on discute. On a discuté, pourtant j'ai laissé une chance. Oui, pas de si. Oui, pas de si, mais je vois pas ce que je bref. Dis donc, là. D'accord, si. Okay. Si je voulais, oula, attendez. Bref, j'ai des petits problèmes. Donc si je vous ai convoqué, c'est aussi pour une autre raison. Car le chef du département de la coalition... Asseyez-vous. Assis. J'espère que tu vas déguster ta bonne pizza devant le RP. Je t'avoue que là, c'est dispute sur dispute. Au coin, ils ont fait tout les de suite. Un prof qui a fait n'importe quoi. Au coin, arrêtez de rigoler. Ça vous fait rire quand je vous mets au coin, bah vous savez quoi? Le directeur. Je vais le surveiller. On va finir, on aura plus de points. Non mais voilà, quand je mets ça quelqu'un au coin, directeur, et que je vois rigoler, il y a des questions à se poser. Bref, donc... Y a-t-il... Je vais aller dans... 2 minutes, là. Sois
soit vous me dites ce que vous voulez me dire tout seul. Oh, je lui ai fait des bouts de bisous. Oui, mais c'est pas grave, on discutera après. Car là, j'ai d'autres chats à fouetter. Plutôt d'autres élèves à fouetter. Voilà, donc c'est comme je répétais avant que... Il a dit quoi? J'ai pas bien compris. Oh je sais pas, j'ai pas compris non plus. Oh oh. Mais là c'est blâme. Là c'est blâme. Il a dit quoi? Il va se prendre en blâme. Fer. Non mais il a dit le directeur, c'est un le directeur. Manque de respect envers un membre du personnel, vous avez la charte, monsieur. Je vous laisse retirer les points. Vous êtes content, les Serpentards? Vous avez perdu au moins 50 points aujourd'hui. Monsieur le directeur? Ah, c'est pas notre faute. Hein. Honte. Ah, slash me, pardon. Vous en avez encore pour longtemps avec les élèves? Ben, est-ce que vous pouvez appeler votre chef de département? Bah, comment vous voulez qu'on se mette en question si ça m'a mis un indique? Toujours quand je perds des bêtises. Comment ça, les gars? À chaque fois qu'il vous fait un bisou, vous lui retirez 10 points. Ouf. Il a cru, vous êtes le même district. Monsieur Anderson, on avait convenu d'un arrangement avec lui. C'est bon, les points. Eh ben, il fait n'importe quoi, il perdra autant de points. Après, vous savez, ce n'est pas nous les méchants. Nous, hein, c'est notre moyen vous de... Vous vous rendez quand vous dites ça, j'ai rien fait. De réguler... le comportement des élèves. Le problème, c'est qu'on prend pour les autres, c'est chiant. Ah, bienvenue à Poudlard. Oh, oh. Mais quoi encore? Mais c'est bon là. Mais non, mais on est dans le négatif là. Ah mais là les points fait que je perde que ça et l'autre là-bas il fait encore mal. Mais non mais c'est pas normal là. Y'a pas de soucis. Y'a un problème là. Mais... Bah écoutez, les préfets ils sont aussi présents à la Gazette du Sorcier. À un moment donné... J'arrive. Oui, c'est à nous de gérer, c'est vraiment deuxième. C'est à nous de gérer, tout à fait, oui. T'es nous gueule dessus, hein, alors qu'on a rien fait. Entraînement de fou. Ouais, on va voir le gars, on va le ramener dans la zone. Exactement, on va le ramener dans la zone des cachots. Exactement. Ouais. Vous pouvez pas plutôt le sanctionner, faire quelque chose là, parce que bon, faire perdre des points à toute la maison toutes les deux minutes, vous l'attrapez, vous mettez en sanction dans un coin. Moi j'ai fait de la merde, Azale il a fait de la merde, il a fait de la merde. Sayana il a fait de la merde, je crois pas, hein, par contre. Monsieur Bédantar, assis, ouais, c'est bon. Aboubakar pour l'instant il est super calme. C'est pas grave. Très réel ça, je suis super calme depuis tout à l'heure. C'est vrai en plus. Bah, essayez de faire une demande auprès du proviseur pour éjecter le de votre maison et puis voilà. Mais écoutez, on a deux préfets sur l'actif, donc à un moment donné. Mettez-lui un blâme, jetez-le au cachot, faites quelque chose quoi. Ouais, bah dégagez le Poudlard, ça va plus vite. Non, là j'ai mis un blâme, je suis en train de le mettre là. On va mettre des blâmes. Mettez un blâme et je le convoquerai dans mon bureau, ce chenapan. Je suis en train de l'écrire, monsieur. Chenapan. Non. Déjà, le coin, c'est face au coin. Le problème, c'est que tu vois, regarde, quand je vais en cours et tout, j'ai fait gagner des points, tu vois. Mais tu gagnes 2 points, 3 points. Oui. Et tu retires 10 points à cause d'un mongol, quoi. C'est en train de me mettre les nerfs. Très bien, au revoir. Le RP, tu vois. Ouh, bref. Voilà. J'ai été obligé d'emmener votre chef de département, de le chercher depuis le ministère et de le ramener ici, en transplanant. Bref, je vous présente le chef du département de la coalition avec Poudlard. Monsieur, il y a un nouvel élève à l'été, là-bas, montrez-lui le chapeau. Bonjour, monsieur, bienvenue dans Poudlard. Avancez. Bonjour.
Bonjour, bonjour, bonjour. Monsieur Xar, monsieur Xar a monté sur une aile, vous êtes dingue ou quoi? J'espère que ça sera un pouf souffle, moi. Après qu'on voit pas ou quoi? Taisez-vous! Il y a un nouvel élève, montrez une bonne image de notre école. Allez au choix pot. Ok. Très bien, on va voir quelle maison. Hein. Pouf souffle. Ah, c'est un pouf souffle. Yes! Très bien, félicitations. Bien. Par contre. Oh, il allait se changer dans les dortoirs. Bref, allez-y, monsieur. Tout d'abord, bien le bonjour à vous tous. Je me présente donc. Je suis monsieur Anderson, le chef de le département de la coalition avec Poudlard. C'est-à-dire, je gère tout ce qui est en rapport avec Poudlard. Donc, par moment, en cours, je ferai certaines interventions pour vous présenter le métier de ministère. Je vous présenterai ses fonctions ainsi que tout ce que l'on peut faire. À partir de la 6e année, vous pourrez faire tout simplement des mini-stages au sein du ministère pour vous présenter le métier de plus près. Nous pourrons donc vous montrer toutes ces qualités, tout ce que vous pourrez apprendre. Je tiens aussi à vous signaler que vous pourrez transmettre à votre famille. Alors, des mini-stages, c'est-à-dire pouvoir faire le métier de ministère du moindre, le regarder de beaucoup plus près pendant un certain temps, qui sera décidé avec moi ainsi que votre directeur. Nous y réfléchissons bientôt. Cependant, merci pour le follow pour, et bienvenue. Ce qui est le recrutement du ministère. Bienvenue vous à toi. Bien entendu parler à votre famille pour rejoindre le ministère. Cela ne mange pas de pain. Ouais, trop bien le ministère. Ouh. Donc, vous avez juste à en parler à votre famille pour tout simplement leur dire que le recrutement du ministère est ouvert. Très simple d'aller faire la démarche, mais le recrutement n'est pas aussi simple que vous le pensez. Le métier ministère est un métier à ne pas rigoler. C'est un métier où il faut être sérieux. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut savoir garder une certaine part de maturité. Écoute, j'ai déjà pas mal de... Donc voilà. C'est tout pour mon intervention. Si vous voulez de plus de détails à propos du métier ministère, vous n'hésitez pas à envoyer des interventions qui seront semblables dans certains cours. Le Discord, l'IP et le workshop en chuchotement. Pas dans le stream en chuchotement. Très bien. J'écris pour que tu puisses me chuchoter. Oui. Comme monsieur l'a dit, le ministère est une institution très importante dans notre communauté magique. Surtout le bureau des aurores pour la protection. Nous avons un représentant que j'inviterai plus tard à prendre la parole pour expliquer le travail de ce bureau. Et même le ministère en général pour tout ce qui est administratif. Sachez que c'est une carrière qui offre plein de perspectives d'évolution et que, qui sait, en rejoignant le ministère, vous pouvez avoir par la suite un poste haut placé. Peut-être ministre, sous-secrétaire d'État, ministre adjoint. Après, si vous en donnez les moyens, c'est tout à fait possible. Donc voilà. C'est toujours mieux de rejoindre le ministère que de mal tourner en rejoignant les sectes de mages noirs ou bien en devenant un délinquant. Je passerai faire un petit tour. Après ou sinon, l'autre moyen, c'est d'ouvrir. Je présente rien. Mais ce qui demande des ressources. Et si c'est plaisant ou quoi que ce soit, j'en parlerai un peu pour... D'où l'importance des vidéos ou quoi que ce soit. De faire une carrière dans le ministère. Très bien. Le monsieur va faire demi-tour et mettre sa robe. Allez-y, mademoiselle. Alors, je me présente. Je suis Cassie Chamberlain, capitaine du département des aurores. Notre rôle est très compliqué et assez varié. On a pour mission de mener des patrouilles à la recherche d'individus qui sont potentiellement dangereux. On a pour mission de protéger les civils, de sécuriser les villes et de faire des procès lorsqu'on arrête
Des mages noirs, des voleurs. Oh, j'ai tellement pas envie de rester à ça. On est également chargé de protéger des personnes importantes. Comme Monsieur Anderson, comme le château, comme le ministre, comme vous. Et nous avons également d'autres obligations, comme des rapports. C'est tout pour vous. Dans ce cas, je vous souhaite tous un très bon appétit. Le repas va pas tarder à arriver. Et les Aurores sont, et le ministère sont bien évidemment invités pour ce repas. Ok, mais préviens quand tu viens. Faut qu'on des fois, il y a des configs au serveur. Là, pendant le repas, étant donné que je ne vais pas prendre la parole et que ouais, ça marche. La parole, vous pouvez pas parler normalement. Je dis bien normalement, inutile de hurler. Je ne veux pas entendre des bruits d'animaux en mangeant. Vous êtes des êtres humains, n'est-ce pas, monsieur Diallo? Vous revenez tout de suite. Oui, oui, c'est de vous que je parle. Monsieur. Hein? Donc, bon appétit à vous. Monsieur Mélagus, je dois m'absenter un moment. Vas-y, s'il te plaît. Mais Aboubacar, arrête de faire des bêtises, il fait plein de bruit en mangeant là. Ah, c'est comme vas-y, ça que vas-y, tu manges, mais vas-y, arrête de faire le con. Vous vous y habituerez au bout d'un moment. On n'a pas perdu assez de points déjà là. Là, vous êtes négatif. Pourquoi de... On peut plus rien faire. Vas-y, c'est en train de me gaver. Sur la table. Vous êtes libre, le directeur n'a plus rien contre vous. Ah. Chut, c'est de partir. Voilà. Monsieur, il y a Boubacar sur la table. T'as une gueule, on va pas défendre. Allez avec les autres, monsieur Pétantard. Ah, mais il y a Boubacar en dessous et il mange comme un porc, il met cœur. Ben, s'il mange comme un porc, il sera sanctionné. Ben, venez à Boubacar, venez avec moi. Non, laissez-le, il a des problèmes, laissez-le. Bref, Aboubacar au coin, tout de suite. Mais encore. Au coin, oui, encore. Encore un serpentard, oui. Je suis gentil, là, c'est pour tout... vous. Monsieur, c'est toujours le même, je suis désolé, mais là, c'est toujours le même. Entre vous et monsieur... La frite.
Je fais une petite pause cigarette, j'arrive les gars, je fais très vite, je vous laisse le stream activé, et vous pouvez me parler, je communique toujours à l'écrit, y'a pas de problème, j'embarque le chat avec moi. Je vous laisse pas tout seul, je suis là. C'est trop bon. Je n'arrive pas à vous reconnaître. Tu dis, les profs ont un badge et là, je ne vous vois pas. Il faudrait que régler ça. Mais vous savez... Attendez, oui, venez. Des puissants pouvoirs de métamorphose pour vous faire rétrécir. Comme ça, ça suffit ou encore? Voilà, nickel. Est-ce que vous avez tous fini de manger? Oui. Qui n'a pas fini? Fini. Bien. C'est qui a mis les couleurs de Serpentard, là? Non, faut enlever, là. Hein. Oui, faut enlever. Je pense qu'on est clairement les derniers, donc là, c'est pas du tout... Mais non, c'est nous, c'est très nous. Très bien. Enlevez-les, monsieur. Je suis d'accord avec vous. Enlevez-les. Bien. Pour votre remarque, je vous rajoute 5 points, monsieur Moctavi. Très bonne remarque. Ah, vous savez pas comment on les enlève, les points? Enfin, les drapeaux? Si, je sais faire, mais vous ne savez pas faire. Allez-y. Bien, vous pouvez disposer, si vous avez fini. Et de rien. Je reste avec mon gogol. Maléfice. Le professeur Malice. Qui me parle? Allez, on va aller un peu RP parce que là, franchement, rester là-dedans. Ouais, monsieur, vous avez perdu un peu de... Vous êtes cambré, vous êtes courbé un peu là, le dos. Ah bon, vous étiez un peu... Trop de zoves. Draken, si je croise ton frère, tu veux que je lui dise quelque chose? Comme c'est beau, genre, je sais... oui, mais fais-lui le bonjour de matin et de ma nuit de me... Bah oui, mais un hibou de quoi comme ça, vu que j'ai aucune réponse de ça depuis comme toi. Hein. Comme les autres sont aussi dispers. Merci. Bah, si... Oh, hey, descendez de ma tête. Si jamais je croise ton frère, je lui dirai. Merci, Salazar. Non, c'est censé être très RP, mais là, il y en a un qui, ou deux là qui cassent les pieds ce soir, qu'il faut exprès de casser les couilles au professeur. Mais bon, je
pense que là ils vont se faire sanctionner. Ah ouais, je suis en train de vriller là en vrai. Je suis en train de vriller. Monsieur, vous pensez que vous êtes le plus petit être du monde ? Non, il y a Bobby qui est encore un petit peu plus petit. Ouais, mais dans la catégorie humain, je pense qu'on peut pas faire mieux que vous. Hein. Vous devez faire quoi là ? Moi, je fais genre 1m40, vous faites 40 cm ? Ouais, là, je t'ai dit, il y en a vraiment 2-3 là qui sont là, ils font foutre la merde en fait. Du coup. Vu qu'on est en pleine scène et tout, pour pas trop faire disparaître des gens, ils savent que je stream en direct, tu vois. Ils ont dû attendre, je pense, pour le dégager. Tu vois que le profil est là, toquez pas, le profil est là. Salut. Ouais, là, vu que le serveur vient d'ouvrir, on est à peine à la deuxième année, là. Rentrer ? Monsieur Jack, je sais pas si vous parlez, mais on vous a pas entendu. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, monsieur. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, ça va être un sortilège. Est-ce que vous avez une idée du sortilège ? Oui, monsieur Edouard ? Lumos. Non, c'est Retun Sempra aujourd'hui. Ce sera un cours de sourd Retun Sempra. Du coup, est-ce qu'une personne pourrait me dire l'incantation ? Oui, monsieur. Donc, comme vous avez dit, c'est Ritu Sempra, mais du coup, le nom du sortilège, c'est pas Ritu Sempra, mais le sortilège de Château-Y. Oui, c'est ça. Le nom en français, c'est le sortilège de Château-Y. Excusez-moi, je vais vite ouvrir. Veuillez rentrer. Ah, c'est un professeur débutant. Peut-être qu'il y a un peu de stress par rapport au RP. Evan, viens. Viens en bas, wesh. Aujourd'hui, ce sera un sortilège de Retun Sempra, le sortilège de Château-Y. Incantation Retun Sempra. On a sortu sur Rick Tube Sempra. Un effet. Est-ce qu'une personne aura un effet ? Oui, monsieur Restou ? L'effet de Ritu Sempra, ça permet que lui qui le reçoit le sorcier, ça le fait rigoler, ça le fait rigoler, parce que quand on le retire, on fait infinité incantatème dans un gros, ça le fait rire. Ça... Ça permet de chatouiller et affaiblir une personne. Et après, ça peut dépendre de la puissance du sorcier. Plus le sorcier sera puissant, plus le sorcier durera. Est-ce qu'une personne connaîtrait le type ? Oui, Restou ? C'est un enchantement. Un enchantement, c'est un sort qui modifie les propriétés d'un individu. Et magique. Effectivement. Est-ce que quelqu'un connaîtrait la gestuelle ?
Oui, monsieur Pétantard. C'est très simple, la gestuelle, il faut faire un signe de plume avec sa baguette. Exactement. Je veux faire une démonstration du sortilège. Regardez bien. Est-ce que quelqu'un a vu? Oui, monsieur Resto. Voyons, la forme du sortilège, c'est un genre de horde argentée qui est de la même couleur. Il y avait celui d'une traînée qui est pas mal de la même couleur, très similaire à du blanc surtout. C'est tout correct. Du coup, je reviens, je vais ouvrir la porte. Pourquoi le monsieur, on se calme sur la porte, s'il vous plaît? Eh les mecs, j'en ai dragé surprise, est-ce que ça vous intéresse? Eh! C'était quoi ça? Oh! Wesh! Oui. Wesh! Je vous permets de rentrer cette fois-ci, mais la prochaine fois, ce serait pas rentré. Frappez-le! 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 Vas-y, tu peux te taire, s'il te plaît. Wesh! Coup. Est-ce qu'une personne connaîtrait l'étymologie? Ouais. Salazar, tu m'entends? Ah, ok. Carré. Levez la main. C'est quoi la question? J'ai pas entendu, monsieur, désolé. Est-ce qu'une personne connaîtrait l'étymologie du sort à qui ça me prend? Oui, monsieur Astou. L'étymologie de Rictus Sempra. Issu viendrait du mot rictus qui signifie l'éternable d'une bouche ouverte. Et sempra viendrait du mot latin sempre qui signifie toujours. On peut aussi bien le traduire par toujours rire. Très bonne réponse. Oui, monsieur Pétantard. Alors, je voulais juste rectifier un petit truc. Alors, ça vient pas du verbe sempre, mais du verbe semper. Il signifie du coup, comme il a dit, toujours. Une personne connaîtrait l'histoire. Oui, monsieur Pétantard. Elle est méconnue de Poudlard. En effet, mais on peut y mettre des hypothèses. Prof qui fait le coup. Ou des histoires qu'on peut inventer par nous-mêmes pour pimenter le sort. Une personne en a, il peut lever la main et proposer. Oh là là, toujours le même qui fait le con. Monsieur, derrière vous, il y a l'abruti de Aboubakar qui fait les bêtises encore. Bon, monsieur. Je suis désolé, mais monsieur, je pense qu'il faudrait lui mettre un blâme. Hein. Un blâme, ça serait bien, je pense. Maison. Du coup, est-ce qu'une personne aurait un commentaire? Oui, monsieur Resto. Mais tout dépend de votre sorcier, oui. Mais si un sorcier pas mal puissant comme vous qui nous lancerait ce sorcier des premières années, des années comme nous, genre, on risque de mourir vu que genre vous êtes pas mal puissant, puis genre, vu que ça risque de durer pas mal longtemps. Puis aussi, la puissance du sang varie en fonction de la puissance du sorcier. En effet, ça varie de la puissance du sorcier. Donc, en plus le sorcier sera puissant, plus le sort sera beaucoup, l'effet durera beaucoup plus longtemps. Du coup, on va passer un résumé. Du coup, une personne de chaque maison va venir devant le bureau. Un serpentard, la patte poutouf, du coup, un serpentard. J'ai vu, il est relou, lui, il a fait tout le cours, il se permet d'aller au tableau. Là. Pour essayer de tenter, gagner 10 points pour sa maison. Du coup, faites un lancement de dés. Du coup, monsieur Pétantard, du coup, on vous écoute. Très bien. Donc, petit résumé du sortilège. C'était le sortilège de Chatouillet avec incantation Rictus Sempra, situation sur le tout de Rictus Sempra. Rictus Sempra, donc, pour comprendre le sortilège, on va commencer par l'étymologie. Rictus Sempra, donc, se sépare en deux verbes qui sont tous les deux latins. Donc, Rictus vient de Rictus, signifiant ouverture de la bouche pour sourire, et Sempra, qui vient du verbe Semper en latin, qui signifie toujours. Donc, il se traduit par faire sourire pour toujours. Sa gestuelle est très simple, il faut faire une plume. La forme physique du sortilège est une boule argentée suivie d'une traînée de la même couleur. Son histoire est donc méconnue de Poudlard, mais on peut établir des hypothèses de comment elle aurait pu être créée.
C'est donc un enchantement. Un enchantement signifie que c'est un sortilège qui n'altère pas la propriété de l'objet ou de la personne, mais qui va pouvoir en ajouter ou modifier. Enfin, en ajouter des propriétés ou en supprimer, pardon. Je pense que c'est tout, j'ai fait le tour. Vous avez fait un très bon résumé, monsieur Pétantard. Du coup, vous gagnez 10 points pour votre maison et 5 points pour, Sardec pour participation. Bravo, Salazar. Merci. Du coup, on peut passer à la pratique. Du coup, tous ceux qui n'ont pas fait la pratique, je vous passe devant moi. Du coup, vous avez 3 essais. Bravo, monsieur. Vous pouvez mettre là-bas. Et du coup, je vous le donnerai après. Monsieur Event. Rictus Sempre. Ah. Très bien, monsieur. Merci. Très bien. Un 100%. Du coup, je vais vous ouvrir la porte pour ceux qui l'ont déjà. Donc tous ceux qui passent sur stage, je peux dire... On continue notre partie, là. D'autres parties de d'échecs sorciers, là. Moi, je pense que c'est la fin du coup. Faut que je trouve mon frère, bon, maintenant. Sean. Je suis en train de rêvasser celui-là. Bon, c'est bon. Mais attends, il y a ton frère qui te cherche, c'est bon. Et je le cherche aussi en fait. Mais non, mais c'est long, il veut pas me répondre. Mais envoie-lui un hibou, dis-lui de te rejoindre ici. Oh la flemme. Il va chercher tout seul. J'avoue que ça irait plus vite, à mon avis. Il va chercher tout seul. Ah bah, il risque pas de trouver. Hein. Vous faites quoi, vous, là? Je pense pas. Bah, on se balade, on attend les cours. Yes. Et vous êtes pas allé en cours, là? Bah non, bah, on l'a loupé. Non. On l'a loupé. Ah oui, vous êtes... C'était sur... tout simple. Oh non, je suis dégueu. J'avais trop envie de l'apprendre. RIP. Après, j'avoue que le professeur, il a vite fermé la porte. Avec tu sais me prendre, non? Non, c'est le premier. Pourquoi moi, je l'ai vu en... Bah, c'est mal arrangé, faudra leur dire. Ah, bah, il est là. Ah, frérot. Mais il se voit, il est bête. Ah, t'es là. Putain, je t'ai même pas vu. Comment tu veux? Ça va être... Ça va être un suite à l'aide, t'es arrivé. Super. Ouais, j'étais déjà là avant, mais le problème, c'est que je me suis endormi dans les dortoirs un petit peu trop longtemps. Ah oui. Mais je suis là. T'es déjà rendormi, toi? Eh oui. Bon, bah, du coup, je te présente Maléfice, Draken, Emric et Sayana. Eh ben, enchanté. Enchanté à tous. Enchanté aussi. Enchanté. Moi, je vais faire un petit tour, je dois aller récupérer les ingrédients pour faire des potions, si ça vous dit de venir. Ouais. Ah oui, oui, oui. Ah bah, let's go. On peut se balader, hein, écoute. Hein. Par contre, on va y aller. Oh, Titar. Titi. Attends, il s'est endormi, je crois. Titi. Ah, c'est bon, allez bien. Va falloir qu'on court un petit peu, par contre, ça vous dérange pas. Vas-y, hein. Le footing, hein. Le sport et tout, hein. Calme, hein. Bah, c'est surtout, je préfère qu'on sorte vite vite. Y'a toujours le protégo ou pas? Bah oui, normalement oui. Oui, normalement. Quoi, hein. Je pense oui. Je sais pas, parce que tout à l'heure y'a un dragon qui est rentré. Bah, donc, protégo, après y'a un pas, loup quoi. Qui est rentré aussi, donc bon.
Il n'y a peut-être pas le protégo finalement. C'est ça le problème, c'est un vrai passoir, le protégo des fous. De fou, de fou. Le dragon, non, il était genre dans le couloir. Et il cramait les élèves. Ah merde. Oula, bon. C'est passé électrique durant mon absence. Ouais, il y a eu une attaque. Falloir qu'on prenne un passage secret du coup. Ah oui, c'est un passage secret à vous dire, c'était... Ah, je vais vous montrer quelque chose. Quand vous irez dedans, si vous avez besoin d'y aller dedans, d'accord? Vous faites vraiment très discret, hein, faut pas que ce soit connu de tout le monde. Hein. D'accord. Ça marche. Vous avez alerté à Sandari ou pas du tout? Oui. Mon frère me l'a appris. Non. Bon, on va vous aider. Mettez-vous contre le mur. Mettez-vous face au mur. Oui, je vois. Ok, après on va le... Vas-y, vas-y, mettez-vous face au mur. Waouh! C'est un hasard. Pourquoi je ne peux pas attaquer? Ah, c'est... Elle est folle cette salle. J'ai encore elle est alors, c'est clair. Vous êtes elle ici sur la salle sur demande, d'accord? Elle s'ouvre que aux personnes qui en ont besoin. Il faut un vrai but pour pouvoir y rentrer. Donc moi j'ai un vrai but. Je vous invite à me suivre. Et faites pas de bêtises. D'accord. Ah putain, wow. Rickman. Oula. C'est bon, on est tous là. Waouh. Ouais. Bon. C'est toute beauté, j'aime bien cet endroit. On est après Olar, donc on va sortir discrètement. Ah, après Olar ? Ouais. C'est pas genre giga interdit pour nous d'y aller ? Vu pas pris, non ? C'est pour ça que... c'est pour ça qu'il a dit discret. Je vois, je vois. Venez, on passe par derrière au cas où. Alors, il va falloir trouver... Wow, des criquets. Les yeux. Faut trouver des criquets, ouais. Des criquets sous okay. La neige. Des criquets. Ouais, faut chercher dans les arbres. Attends. Il m'en faudrait 3. Bon. Ah, j'en ai un là. Ah, j'en ai un. J'en ai un. Criquet. Ah, j'en ai aussi un bon ici, te regarde. Nickel. Allez, merci. Mal. Du mal coup, si... C'est quoi le risque déjà du dé? Si on arrive à en choper un peu plus, c'est cool. Moi, je fais slash roll. Attends, regardez. Ah, là. J'en ai chopé un là-bas sur cette table. Il en faudrait un de plus et comme ça, moi, je suis bon, j'en ai d'avance. Oh attends, j'en ai un de dernier pote. Avec deux L. Oh non mais j'en ai marre, j'en peux plus de moi. Merci. Bien. Pour la route, pourquoi pas. Le problème là, c'est qu'il me faut un ingrédient qui est la forêt interdite. Et là, pour y retourner... C'est quoi? Du polygonum. C'est quoi? C'est une espèce de... Pas le droit d'y aller normalement. C'est une espèce de champignon qui brille un peu. Oh. Ici, ils en vendent pas. Voilà. Et c'est pas dangereux. La merde. Bah, tant qu'on rentre pas dans la forêt, ça va. C'est sur les abords, tu vois. Ah oui, il faut rester au bord. Ouais. On peut peut-être aller au bord du lac quand même, non? Garde défoncée si on y va. J'ai eu un mal de crâne, désolé. Si on le problème, c'est bord, que. Qu'on met pas un pied dedans. Le problème, c'est qu'il y a un protégo. Ouais, mais même, quoi. En fait, je crois qu'on a pas le droit de sortir. Ouais, on peut pas aller plus loin que le pont. Ah, c'est ça, le problème, c'est qu'il y a le protégo, on peut pas y aller.
Mais en fait, c'est quoi le problème de Protego? En fait, le Protego, c'est un bouclier magique qu'ils ont mis tout autour de l'école pour nous protéger. Et le problème, c'est que si tu le traverses, bah, tu te désintègres, quoi. Ah, je comprends bien pourquoi c'est compliqué, du coup. Ouais. Mais enfin, normalement le Protego, tu peux en sortir et tu peux en rentrer si t'as pas des mauvaises intentions, mais ici, apparemment, non. Ouais. Le problème, c'est de savoir pourquoi ça s'est pas désintégré. Après, qui dit que j'ai pas de mauvaises intentions? Bah après, c'est à toi de voir. Quelqu'un va y aller? Non, je rigole, hein. Je rigole. Si tu veux tuer des gens dans l'école, c'est ton problème. Bon, par contre, faudrait qu'on rentre parce qu'il y a un cours et. Il y a un cours. Allez, enfin, let's go, nous, on a pas beaucoup de. Ah oui. Bon, déjà, j'ai les criquets, c'est déjà bien. Merci à tous. Ah oui, c'est par là. Ah oui, c'était par là. J'aime bien me compliquer la vie. Oups. Ah, faites attention quand vous sortez, vous faites pas repérer. Ah, c'est bon. Oups. Attendez, y'a quelqu'un. Y'a quelqu'un. Y'a qui On m'a pas vu. Courez. Non, pas déjà. Courez, vous arrêtez pas, courez. Oh, la technique du gros. Ouais, mais il y a des fois qui avaient quitté notre couloir. Bonjour, monsieur le professeur. Bonjour, monsieur monsieur Cornu. Monsieur Capone, comment allez-vous, monsieur Capone? Mettez-vous en rang, faites genre de rien. Viens, Edouard, un gros gros. Ah, problème de connexion, quoi. Bien sûr. Ah. Je suis en train de paniquer. Bon, quand ça va mieux. Monsieur Edouard, vous voulez rejoindre... Ah, madame, qu'est-ce que vous faisiez? Je suis sous le sortilège. Je suis sur le sortilège. Vas-y, rentrez. Ils se sont moqués de ma taille, vous vous rendez compte? Et vas-y Dayamagi, va avec ton mec, ton mec là. T'es pas là. Désolé mais... Oh, dégage. C'est mon frère là. C'est chez moi, c'est chez moi. Asseyez-vous. Vas-y, pire, venons-moi trop. Désolé, j'ai un peu de mal. Désolé Matt, mais c'est un peu ça mon frère sur là. Le... Bon, pas sur la table. Pas bien. Ah, toi 3 par bureau, que 2. Attends, ça veut pas. Il a dit quoi? Personne chez vous. Eh oh, c'est la place à mon frère là. C'est pas grave, laisse-le gagner. Est-ce que la boss qui est devant la table? Je vais à côté de monsieur aussi. Non, c'est bon, c'est bon, vas-y, t'inquiète. Ah oui, c'est bon. T'es sûr? Ouais. Putain, Aboubakar, tu viens, tu sors de ma fille. C'est moi, mais c'est rien, monsieur, c'est parce que. Monsieur, marche. C'est moi, mais regardez, monsieur, c'est rien. Et parce que lui, il dort et il prend la place à mon frère. Mais c'est rien. J'ai vu un truc. Je sais que je ressemble à un Dodan, mais quand même. Je sais que je ressemble à un Dodan, mais voilà. Quand même. Voilà. Je vais pas t'abandonner, mais t'es en colle là, ça devient relou là. Bien joué ça. Désolé, monsieur, ça se reproduira plus. Du coup, qui pourrait me dire des cours sur le sortilège d'Incendio? Oui, monsieur Pétantard. Alors, pour me rattraper, Incendio est un sortilège qui va vous tirer vers le haut quand vous êtes dans une substance liquide. Il permet d'ici le lancer vers le haut. Dans le caca, ça part de substance liquide, monsieur. Mais je pense que vous avez raison, monsieur. Vous avez raison, si, monsieur. Mais il n'y a pas marqué en fait dans les fiches de cours. Quelqu'un pourrait me dire son incantation? Oui, monsieur, madame Tita. Mais non, monsieur. Ah, monsieur, bon. Excusez-moi. Très simple, il faut accentuer sur le sen, donc ça fait Ascendio. C'est exact. Quelqu'un pourrait me dire le type de ce sort?
Oui, monsieur Ristou. C'est un enchantement, monsieur. Un enchantement, c'est ça qui modifie les propriétés de magique d'un objet. Ou bien, de nous aussi, ça peut. Pour aller plus vite. C'est exact. Quelqu'un pourrait me dire sa gestuelle ou pas? Oui, monsieur Tita. Tout simplement, il faut tendre le bras, et pointer vers le haut. Et rester la rotation, bien sûr. Monsieur. C'est exact. Attendez. Monsieur, veuillez sortir de mon cours. Je peux rentrer dans le cours ou pas? Non, je peux pas. Non, le cours a déjà commencé, monsieur. D'accord, pas vrai. Reviens! Pourquoi? Du coup, quelqu'un pourrait me dire la forme physique de ce sort? Oui, monsieur Ristou? La forme physique de ce sort, c'est une lumière de couleur bleue qui apparaît au bout de la baguette. Au sentier, on doit. C'est quand l'incantation est prononcée, c'est une fois après que ça apparaît. Oui, c'est très exact. C'est une lumière bleue qui apparaît au bout de la baguette. Quelqu'un pourrait me dire l'étymologie de Ascendio? Oui, monsieur Ristou, encore une fois. L'Ascendio qui viendrait du mot latin Ascendo, qui signifierait bien sûr grimper. C'est exact. Bon, plus 5 points pour la maison Serre d'Aigle pour participation. Monsieur, je peux me permettre quelque chose, s'il vous plaît? T'es retardataire ou pas? Oui, monsieur Carré? Monsieur, vous acceptez les retardataires ou pas? Pour savoir si je les ai fait. Non, non, le cours a déjà commencé. Monsieur, le problème, c'est que vous leur laissez aucun délai de retard. Et c'est après, vous vous étonnez que les élèves, ils fassent des bêtises dans les couloirs. Mais si vous les laissez traîner dans les couloirs, c'est peut-être normal, quoi, à un moment donné. En plus, monsieur, je vous explique, monsieur, si vous voulez parler comme ça. Déjà, j'ai attendu que vous rangez quand même pas mal de temps devant. Ensuite, j'ai tenté de rentrer en classe. S'il y a eu quelques personnes qui étaient en retard, je les ai laissés rentrer sans leur poser de questions. Maintenant, une fois que le cours a commencé, je vais pas m'interrompre à chaque fois pour des retardataires. Vous vous interrompez pas, vous laissez rentrer dans le fond et il rentre sans faire de bruit, quoi, je sais pas. Ouais, mais après, il apprend pas le sort par cœur, là. Là, il pourra pas venir sa gestuelle, il pourra pas venir sa forme physique et pas mal de trucs. Donc, je vais pas le faire rentrer en plein milieu d'un cours. Soit ce que vous voulez. Bon. Sinon, quelqu'un pourrait me dire son utilité? Oui, monsieur Tita. Ouais, je me suis trompé, excusez-moi. Une utilité. Je sais pas. Bah, par exemple, sortir de la noyade. Enfin, si on est dans le lac et qu'on est en train de se noyer, ça peut nous aider à nous extirper. Imaginons. Mmh. Oui. Ou alors de créatures d'autres, magiques ou autres. Dans la mer. Utilité. Ah ben, sérieux. Fallait pas s'étonner, quoi. Après bon, si les deux y vont, on n'a pas fini. Ouais, mais après voilà, faut respecter les règles du prof. S'il veut pas les laisser rentrer, il les laisse. Emric. Il m'appelait. Hein. Je pense qu'il aime bien leur courir après. Ah, tu te rappelles pas, bon bâton de Sergia. Ok, je m'en vais. On se calme. Monsieur, il y a une personne qui m'importune. Je comprends pas. Ah bah, carte, tu t'es mis sur la table, tu continues à tuer qui là. Qui est cette personne qui vous importune? Je sais pas, elle vient de là-bas, une voix de fille. Elle m'importune. Elle vient de t'asseoir sur ta place, tu pues des fesses. La personne à côté. Non, là-bas, là où je regarde. Je sais pas où c'est, mais c'est vers là-bas. J'entends une voix féminine qui m'appelait, je sais pas pourquoi. D'accord. Change de poste, s'il te plaît. Nah. C'est dragué, frère. On a un nouveau professeur. Oui, il est très classe. Alors ça le dérange de prendre des gens en retard, mais ça le dérange pas de courir dans les couloirs après les élèves, quoi. Bon, excusez-moi les élèves, on reprend le cours. Pas de soucis. Bon, une fois qu'il y a ça... Du coup, en intention d'utilité, monsieur Tita avait dit qu'on pouvait sauver quelqu'un de la noyade. On pouvait aussi atteindre des auteurs et fuir dans des situations dangereuses. Si par exemple vous êtes à des loups, vous pouvez prendre ce sort pour vous éjecter en l'air et essayer de vous cramponner à un arbre. Quelqu'un connaisserait l'histoire ou pas?
Monsieur, je suis pas d'accord. Oui, monsieur Risto, on vous écoute. Oui, mais alors dites-moi, monsieur. Je suis vraiment désolé, mais ça marche vraiment que dans un milieu aquatique, quoi. Ah oui? Sinon, utilisez l'alerte incendie d'arrêt, quoi. Enfin, on peut aussi faire ça à terre, mais c'est beaucoup moins efficace. Il y a marqué quand même qu'on peut atteindre des hauteurs et puis se fuir de situations dangereuses. Je suis vraiment désolé, mais vous ne sont pas fameux. Non, mais Pétantard, ça dépend les écoles, en fait. Pétantard, ça dépend les écoles. C'était des écoles. Mais moi, c'est ce que je lis dans les livres de cours, monsieur. Ouais, mais c'est faux. Mais c'est pas question que c'est faux, c'est question que ça dépend les écoles, les gars, c'est tout. C'est pas possible parce que. Il y a des professeurs qui apprennent autre chose. Monsieur Pédantard, la prochaine fois, s'il vous plaît, vous pourrez juste lever la main. Ça me dérange pas, votre intervention, mais il faudrait juste. À ce moment-là, Pédantard, il y a d'autres choses qui rentrent en compte. Oui, du coup, on est à vous, monsieur Risto, vous devez me raconter l'histoire ce soir. Comme je disais, cette histoire, elle est méconnue de l'Académie de Poudlard. C'est exact. Ah, c'est vraiment du n'importe du coup, quoi. La hauteur de propulsion vers le haut varie en fonction de la puissance du sorcier. Donc, j'ai pas besoin de faire un topo. Hein. Plus le sorcier est puissant, plus vous pourrez vous projeter haut. Plus le sort est utilisé dans l'eau. Du coup, monsieur Pédantard, là sur mon cours, il y a marqué. De plus, le sort est utilisable dans l'eau comme à l'extérieur. Mais il est beaucoup plus efficace dans l'eau. Je peux comprendre vos livres, peut-être que ça faisait des livres écrits par je sais pas qui, mais c'est pas pour autant qu'ils sont vrais. C'est mes livres, monsieur, que je suis en train de lire. C'est pas grave, faites vos cours, c'est pas grave. Du coup, quelqu'un a des questions bah, pour ce sort? Non, personne? Du coup, mettez-vous tous en ligne, on va procéder à la pratique. Pardon, Draken, tu veux passer devant? Je sais pas, vas-y. Désolé. Du coup, je vous rappelle la gestuelle. Sortez votre baguette, vous tendez le bras, pointez la baguette vers le haut, et en récitant l'incantation, allez-y, et vous insistez bien sur le Sen. Un Sen, Joe! C'est très bien, monsieur. Allez à ma droite, s'il vous plaît. Allez-y à vous, monsieur Risto. Asensio! Ne pêche pas quand même. Il me fume. C'est très bien, monsieur. Mettez-vous avec votre monsieur. Avec la preuve que ça marche. Oh, Asciendro! Oh là, mais quel teubé. Allez, réitérez, monsieur. C'est quoi cette prononciation? Asciendo. Asciendo. Arrête de me pousser, Tita. Voilà, monsieur. Allez, vous pouvez vous mettre avec les autres. Madame Nag. Knight, s'il vous plaît. Asendio. Ah, c'est très bien. Merci. Allez-vous, madame Adéa. J'espère que vous êtes fort que pour danser. Voilà. Quand vous arrêterez de danser, vous lancerez de meilleurs sorts, madame. Ah, réessayez, madame. Pas où. Ah, on reverra ça à la fin du cours. Allez-y, madame Potter. Asendio. Bien joué. Oui, c'est très bien, allez vous mettre avec les autres. Ah, vous me dites, Tita. Asendio. Merci. Oh non. Ah, réessayez, monsieur, vous y êtes presque. Asendio. Allez, Tita. Bon, non, mais waouh. Bon, allez vous mettre avec madame Adia. Ou monsieur Landers. Le pauvre. Réessayez, monsieur Anders. Et j'ai pas entendu le sort. Sacré Tita. Boud. Dites le sort, monsieur. Monsieur le sort, je l'ai pas entendu. Wesh. Eh, on m'entend là? On m'entend? Ouais, on m'entend. Oui. Asenjo. Oh. Bon, allez vers madame Adia. Vas-y, aucun frère. Tu es cassé, c'est un combo final. Viciat. Oui, c'est très bien, monsieur Viciat. Allez vous mettre. Avec monsieur. Oui. Vous, monsieur Finder, allez-y. Siendo. Ah, je crois que ça va être le meilleur pour la fin, mais bon. On va les réitérer, monsieur. Allez-y. Siendo.
Ah, c'est bien. Allez, allez, on t'exote. C'est qu'il n'a pas réussi, revenez. Ça clique, hein. Les trois, là. Monsieur Tita et Monsieur Landers, revenez là. Tita, il boude. Il boude le pauvre. Du coup, je vais vous répéter. Vous prenez votre baguette, vous les mettez vers le haut, et vous faites à Celdio. Allez-y, okay, madame Adia. À Celdio. À un moment donné, on va essayer. Madame Adia. Ah, encore. Je peux pas faire aussi à Ah, c'est une... Voilà, c'est bon, madame Adia, réussi. Oh la vie de Wam, si je réussis pas. Allez, Titi. À Celdio. Go, Titi. Mais une... Je vais essayer, monsieur Tita. À Celdio. T'allais bien faire moi la baguette. Ah, vous êtes presque. Allez, monsieur Landers. Le pauvre. Ah, voilà. C'est pas Asenjo. Drôle. Ah si, c'est un peu drôle quand même. Non, le pauvre. Voilà, c'est bien. Monsieur, j'ai pas entendu l'incantation, s'il vous plaît. Oh, mais moi, je suis, c'est dur quoi, ça. C'est j'ai pas entendu la ah, bah, ah, c'est dur, frère. Oui, oui, il a déjà avant son nez. Pas de respect. Forcément, bon, j'ai appelé quelqu'un pour vous donner le... Vous pouvez autoriser un dernier essai, s'il vous plaît. Monsieur, on se met un fil devant vous pour que tout le monde se place correctement. On se met tous un fil. Non, mais il faut que j'appelle quelqu'un pour vous donner le sort. Je peux pas vous donner le sort en fait. Vous pouvez lui donner les un dernier essai, s'il vous plaît. À Tita. Allez-y, monsieur. Fais pitié de Tita. Non, mais on verra ça à la fin du cours. Pour l'instant, la fin du cours n'est pas encore finie. Je lui donne mon livre, monsieur. Lui, il va se peaufiner. Je lui donne mon livre. Ah, mais il y a des CFM. Pourquoi? Moi aussi, je donne mon livre. De toute façon, je m'en bats l'arrache. Vas-y, je m'en bats l'arrache. Tita, je te donne mon livre. Mais prends mon livre, Tita, vas-y, je m'en fous. Non, donnez-lui pas votre livre. Allez, réessaye, monsieur Tita. Ouais, franchement, là, vous jouez trop sur la corde. Allez, je réessaye. Non, je ne tire pas, monsieur. Faut essayer. Ah, scène. Allez, jusqu'à vous réussissiez. Mais c'est pas possible. Allez, allez. Crie-la. Et vous rigolez en même temps. C'est à scène. Comment il fait à scène. Je rigolais pas, c'est lui qui a roulé. Allez, à Celdio. Voilà. Oui, monsieur, quand vous écoutez mes conseils. Yes, vous bravo. Vous avez vu aussi, monsieur, bravo. D'accord. Enfin, ouais, surtout, ouais. 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 Meuf, m'a donné sa maladie, je tousse et j'ai mal au ventre. J'arrive, on ok. On peut utiliser, mais c'est quand même. Ça va, poteau. Mais c'est pas grave. Après bon, c'est Celdio. Ouais, frère, on sort. Bah, c'est pas souvent, Celdio. Ouais, mais c'est pour ça, mais j'ai commencé à très souvent parce que bon, moi et l'eau. Moi aussi, moi et l'eau, bon, ça fait bon, je raccorde aussi tout à l'heure, comme vous avez bien participé, les Serpentards, vous avez 2 points. Donc, 5 points. Donc, Serpentard et Serdeg, vous partez du cours avec 5 points en plus. Merci, monsieur. Merci. Oh, le raid, je donne 2 points. Oh, vous êtes beaucoup laissé les sorts. Quelqu'un se rappelle de comment on sort le livre? Vous avez pas un suite, monsieur? Ils vous ont pas repris. Un bras, moi. Non, mais j'ai pas le sup-livre en fait. C'est ça le problème. Du coup, je peux pas vous donner les livres. Du coup, on fait quoi là? Faut aller où? Du coup, bah là, on attend. Essayez de demander quelqu'un qui peut les donner. Bah attendez, restez là, je vais essayer d'aller chercher Monsieur Moctavi dans le couloir. Il est juste à côté. On vous attend. Ça marche. Oh là là. Eh, Emric, t'as entendu? Si t'aurais loupé, je t'aurais donné mon livre. Ok. Trop gentil. Ah, mais tu sais, c'est la base. Les autres, c'est dingue de ce fait. Non, mais. Sendio qui s'utilise ici comme ça, là, n'importe quoi. J'aurais tout entendu. Ouais, j'avoue, c'est même pas de quoi. Ah mais mon père quand il va vous faire con, vous allez péter un câble. Vous allez avoir la vérité, vous allez comprendre. On va leur donner les livres Sendio. Tout le monde qui reste dans la salle, les autres. On peut partager un groupe. Moi je prends une moitié, monsieur Cathy on prend une moitié. Comme ça ça permet de nous sortir. S'il vous plaît. Bah comme vous voulez. Mais pas de soucis, moi de toute façon j'ai pas. Attendez, je vais prendre le sort aussi pour moi parce que je l'ai pas. Ah bah tranquille hein, hein.
passe. Merci monsieur. Merci. Presque combien d'élèves on commence l'apprentissage, les enfants. Merci. On commence l'apprentissage. Il y a le prof qui est dedans ou pas encore, hein, monsieur? Pas encore. Demi-tour, demi-tour. Oh, ils sont en train de me saouler. C'est bon, je suis de retour, je vais donner les sorts aux élèves ayant réussi. Lander, t'as trop un souci toi en vrai. T'es Edouard, comment je me recopie? T'es plusieurs dans ta tête et c'est pas toi le chef, non? Je suis pas tout seul dans ma tête, on est 37. Vous pouvez rentrer. Et personne passe pour à peine. Bam, bam, bam. Vous inquiétez pas, monsieur Gary, je m'occupe des retardataires, s'ils rentrent. HV7. Ramté. La place est libre, non? Sur la table, parce que je suis un peu petit, vous l'avez remarqué, je suis un peu petit, du coup je monte sur la table. Non problème. Attendez, j'entends. Bonjour, désolé du retard. C'est rien, ce n'est rien, c'est rien. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui. C'est parfait, ouais. Sans doute. Ouais. Aujourd'hui, on va parler du charme du bouclier. Est-ce que quelqu'un connaît son incantation? Monsieur Pétantard? Alors, le charme du bouclier, son incantation, c'est Protego, monsieur. Que vous savez sur quelle syllabe on accentue? Sur le T. Protego. Très bien. Très bien, très bien. Donc son effet, comme son nom l'indique, donc il permet de faire apparaître un bouclier bleu aux extrémités, qui va dévier tous les sorts et les attaques physiques que votre adversaire veut vous donner. Donc est-ce que quelqu'un connaît son type? Un enchantement. Attendez, je... Très bien, très bien. Sa gestuelle. Sur Istou. C'est la barre maillant la gestuelle de Protego, c'est une barre verticale de bas en haut. C'est ça, très bien. Est-ce que quelqu'un connaît sa forme physique? Oui. Titan. Moi. Ok. Simplement, sa forme physique, c'est un bouclier creux qui fait la taille du corps d'utilisateur, qui ne protège pas les pieds, tout simplement, qui est transparent en général et bleu à ses extrémités. C'est exactement ça. Donc, est-ce que quelqu'un connaît son étymologie? C'est quoi le sort, putain? L'étymologie de Protego, Protego qui vient du mot latin qui signifierait protéger. Laissez un petit peu les autres répondre. D'ailleurs, les cerdés, ils sont les réponds toujours à tout. De quoi, les cerdés et les serpenteurs, ils continuent de participer, vous êtes très bien.
Si, monsieur. Que, est-ce que quelqu'un connaîtrait son utilité? Monsieur Landers? Ouais, il permet de le défendre en... contre un sort mine, comme Eric Thompson Pro ou Flippen. De nous protéger. C'est ça. Exactement. Est-ce que quelqu'un connaît son histoire? Monsieur Pétantard? Alors oui, alors c'était au 15e siècle dans la ville de Poppleton où le comte Punchley a organisé un tournoi de joutes. Un des candidats du tournoi de joutes s'était blessé la veille d'une chute d'arbre et il a dû rester alité. Le comte Punchley, veuillant que cet individu vienne au tournoi coûte que coûte, a fait envoyer des gardes à la maison de ce dernier. Et ils sont tombés sur la mère du jeune homme. Ils ont dit à sa mère, que le jeune homme devrait coûte que coûte se battre, quitte à être attaché à son cheval. Ce qui se produisit est en fait du coup arrivé au tournoi de joute, voyant un peu l'état de la personne, Mademoiselle Cockleford, sorcière aguerrie. Pris de haine le comte Punchley et envoya un protégo lorsque la joute du comte Punchley allait toucher l'individu blessé, ce qui a protégé du coup l'individu, éjecté le comte Punchley de son cheval s'est mis à cabrer et est tombé sur lui. Le prochain qui ouvre sa bouche, je vous jure sur ma vie que je vous attrape à l'extérieur de l'école. Oui, oui. Oh. Oh. À l'intérieur d'un cours, s'il vous plaît. D'accord. Vous pouvez continuer. Du coup, le cheval est donc tombé sur le comte Punchley, ce qui a fait qu'il a été blessé. Il n'est pas mort de l'accident, mais il a été bloqué pendant plusieurs heures dans son armure. Exactement ça, très bien. Je vais donc donner des points à cet juste après. Ça va sortir nu. Le prochain qui dit ça, je le colle. Ça. C'est Lucas Savage, un gros abruti. C'est une personne qui est à l'extérieur du cours, hein, derrière la porte. D'accord. Ouais. Donc, quelques commentaires. Donc, le charme du bouclier a 5 variantes. Il y a Protego Duo, Maxima, Totalum, Horribilis et Diabolica. Il ne protège pas les pieds, à moins d'être accroupi. Bon, je pense pour moi, il protégerait les pieds, mais c'est pas. Là n'est pas la question. Et la puissance de déviation du sort varie en fonction de la puissance du sorcier. Exactement. Donc les personnes qui n'ont pas le sort, je vous invite à vous mettre en ligne devant moi. Je le sors, je peux sortir de la classe, s'il vous plaît. Oui, exactement. Merci. Jack, faites-le sortir. J'ai un compte à régler. Ah bah c'est fermé, monsieur Jack. Oui, faut y aller. Oui. Lucas, Jack, excusez-moi, monsieur, pouvez-vous les prendre? Excusez-moi. Une de une. Vous pouvez retomber. Voilà. Des compresses en gaz, des compresses normales avec un bandage et du sparadrap. Gauche, elle est immobilisée. Ah ouais, mais je suis en train de le chercher là. Ah, si tu me trouves Lucas Savage, tu me dis de suite où il est. Je vais l'attraper, je vais le souiller. Ouais, je sais pas où il est.
Je vais le détruire. Salut gosse, comment tu vas poto? Dis-moi. T'as pas vu Lucas Savage? Non, j'ai vu personne en arrivant. Ah putain, faut que je l'attrape. Merci quand même. De rien. Je sais pas. Allez. Lucas, sache une chose, t'es mort, mec. Vas-y. Ça va nickel, gros, ça va nickel. Regarde bien ce que je vais lui faire, Kyoko. Là, je l'ai attrapé dans ma baguette, là. Là, je l'ai attrapé dans ma baguette, regarde bien. Je vais faire le fils de pute avec lui. Désolé pour le mot, mais... Voilà, il est tombé dans le vide, là. Quand tu vois Salazar, t'es aidé quand même pour savoir où il était. Tu me dis, je vais l'occuper un peu pendant que t'arrives. Comment? Tu me dis, j'allais un peu occuper Lucas pendant que tu revenais, t'arrives, hein. Ouais. Tu peux m'aider avec le episki parce que j'ai du mal tout seul. Oui, je sais, attends, laisse-moi faire episki Maxima. Bon, c'est bon. Merci. J'avoue, c'est plus rapide. Viens, on va se foutre de sa gueule, il est par terre dans le vide. Merde, c'est pas par là, je suis con. Bah, surtout que... En vrai, si je veux, je le tue, quoi. À un moment, il est en bas, dans le vide. Oui, attends, ou bien il est en train de faire le tour. Ouais, je pense qu'il est en train de faire le tour. Tu l'as envoyé dans le lac? J'ai sauté là, j'ai transmuté avec lui. Je sais pas où il est. Au moins, comme tu vois, j'ai une façon plus facile pour nous soigner quand même, épisquer Maxima quand même. J'espère juste qu'il va se noyer et qu'il va mourir. Oui, mais bah, on sait jamais, il risque toujours de revenir, on sait croquer là. Ouais, avec la flèche, ouais. Il est en dessous, non? Ouais. Ça va, Lali? J'entends pas, Lali. Bonjour, Lali. Mais ça va? Il est venu m'insulter, j'étais en plein cours.
côté quand même. Non. Ah, il y a une autre courbe avec la skate. Ah ouais. Allez, go. Ouais. Ah, effectivement, faudrait. Savage. Oui, je sais, y arrive. Du coup, ça en est fait. On travaille sur le sortilège, donc hors jeu Cranius. Donc, l'incantation, c'est installez-vous vite. Ça, si, mon frère. Oui, donc, comme je disais, donc, on travaille sur le sortilège, hors jeu Cranius. Donc, son incantation, c'est Engorgeo Sculus. Ou bien, c'est Amplificatum Sculus. Donc, là, pour l'effet, donc, c'était Aymeric. Que vous pouvez y aller. Du coup, ça permet de faire grossir la tête d'une personne ou d'une créature de manière proportionnelle, la rendant ainsi plus grosse. Mais pas plus lourde. Exact. Donc son type. Moi, un que les deux là. Bon, je vais interroger aléatoirement alors. Vous. La main, ouais. C'est quoi le type? C'est un maléfique. Très bien. Est-ce qu'il peut nous redire la définition, s'il vous plaît, parce que j'ai un peu oublié. Dites-nous la définition, monsieur Landers. Ah, j'ai oublié en plus. Je vous ai oublié, bon. Moi aussi, je suis en live. Bon. Ah ouais, t'es en live. Donc, quelqu'un la connaît ou bien live sur quoi? Oui, moi je la connais, c'est moi je me rappelle. J'ai levé la main. Oh. Moi je m'en souviens plus. Kiffite tes mains. Toujours les mêmes, bon, j'ai interrogé quelqu'un. Quoi? Draken. À défaut de faire des vieilles menaces, ça prend, s'il te plaît, ce serait cool. Vous arrêtez de parler, là. La définition d'un maléfice. Pour la définition d'un maléfice. La malédiction de maléfice, c'est un sort qui est meilleur, qui a pour but... Monsieur, de conduire à la personne. Qui vient ajouter. Oui, c'est ça. C'est qui acheté un obscur sur Landers? Evan, vous là, vous êtes à côté de Landers. Ah non, en fait, Dayama, non, bah, c'est pas moi. Dayamaï. C'est qui? Oui, Ethelia. Vous, Edouard. On continue pas le cours tant que l'orson ne se dénonce pas. C'est ça, la personne qui a dit obscur, c'est une voix féminine, ça s'entend quand même. J'ai pas entendu, j'ai... Bon. J'ai entendu un petit bruit là. Mais monsieur, on perd du temps là. Bah c'est pas mon problème. Moi je voulais vous dénoncer, on va voir si vous allez assumer. C'est pas moi, je vais pas me dénoncer. Au pire monsieur, j'ai qu'à regarder les baguettes, hein, c'est simple. Mais grave. On n'a pas... J'en accepte. En fait, monsieur Diop, le truc le plus simple, ça peut être... Je te regarde, c'est ça mon live. Ok, ça marche. Ce qu'on voit, c'est deuxième année. Pas si un surdoué. Ça peut être que des deuxième années de toute façon. Oui. Oui, bah y'a quand même beaucoup de deuxième années. Mais y'a que des deuxième années en fait. Je veux dire, moi c'est pas mon problème, moi j'attends. Hein. Moi j'ai. Ça va être long. Hein. Bon. Bon, j'ai respecté vos baguettes alors que personne ne se dénonce. Par contre, si je trouve la personne, elle se prendra un blâme. Blâme 2 directement, donc privé du prochain conseil. Ouf! Et si sa maison perdra des points. Mais monsieur, au pire, si elle se dénonce, non, si quelqu'un se dénonce, est-ce qu'il a son blâme? Est-ce qu'il a son blâme? Mais attendez, c'est qui qui a pris un obscuro, j'ai pas compris. Juste une colle. C'est moi, je sais pas, je suis en train d'écouter le cours, hop, je vais prendre l'obscuro. Du coup, la personne qui. Ah, mais t'es loin là. Ça reconnaîtra. Voilà. Bon, allez, Evan, montrez-moi votre baguette. Ah, c'est pas moi. Bah, attendez, allez-y. Vous pouvez pas enlever des points. Si, je peux enlever des points. Ok, vous pouvez voir. Hop.
Oh là là. Oh bah alors, où êtes-vous? Oh, il l'a terminé. Non, mais... Oh, il l'a terminé. Non, le serpentin va faire des points là. C'est bon. Stop. Vous allez vous rasseoir tout de suite. Vous allez rester à la fin du cours avec moi, vous. Vous allez vous discuter un peu avec moi, vous. Donc maintenant, là, non, arrêtez pour aller, non. Le prochain qui rigole, c'est la colle. Donc vous restez avec moi à la fin du cours, on va discuter un peu. Bon, allez, Daya Amaï, à vous, mettez-vous devant moi et montrez-moi votre baguette. T'as la vache, j'espère qu'il va perdre des points, lui. Vous inquiétez pas, je m'occuperai de lui à la fin du cours. Yes. Allez-y, on est donc montrer bah, du coup, les votre baguette, là. Bonjour, monsieur le directeur, levez-vous, les gars. Oui. Bonjour. Bon, mais respect, monsieur le directeur. Bonjour. Kevin, lève-toi. Bonjour. Pourquoi ? Kevin, lève-toi. Mais il y a le directeur, lève-toi. Donc, faut... Kevin, lève-toi. Bouge ton fiac. Très bien, vous pouvez vous rasseoir, merci. Réactivité, c'est très très bien. Pas besoin, dites-moi. Donc, je respecte. Ne commence pas à jouer ça avec moi. Donc, je crois que c'est vous qui a fait ça. Attendez, j'ai oublié. Bon, monsieur Miagus, oh là la baguette de Dayamaï, car il y a un élève obscuro. Donc, je soupçonne, donc c'était Mark Landers, donc c'est un des quatre élèves là, qui s'est sur la deuxième année. Donc, si vous pouvez respecter sa baguette. Compris, monsieur, veuillez articuler, s'il vous plaît. En fait, monsieur, je vous explique. En fait, il y a un obscuro, il y a Mark Landers qui a reçu un obscuro. Donc, c'est forcément le groupe ici là. Et il a inspecté ma baguette et c'est pas moi, donc c'est soit Larry, soit Edward, soit Kevin, soit Dayamaï. Voilà. Bah non, c'est pas le poker, c'est mon... Bah non, on est dans le cercle en fait, tu veux que ce soit qui, ça va pas être vous êtes trop loin. Ah, tu sais vraiment pas c'est qui ? J'arrive dans deux minutes. Bah, donc, je sais quoi ? Juste une petite pause rapide. Me donnez votre baguette, mademoiselle. C'est pas longtemps en plus. Priori incanto maxima. Alors, Maxima, dites-moi. Des épiciers. Ah. Quoi ? Quoi ça ? Oui. Vous. Monsieur le directeur, vous êtes votre coupable, Monsieur le directeur. Monsieur le directeur, vous êtes là. Cardiaque. Bien. Du coup. Donc, pouvez-vous m'expliquer pourquoi j'ai trouvé un obscuro, mademoiselle ? Pouvez-vous m'expliquer ? Allez vous rasseoir, Jean. Si vous voulez, il y a une place au premier rang à côté de Kevin. Non, vous inquiétez pas, c'est bon. Vous avez fauté, vous allez être sanctionné par la même occasion. Ouais, je crois. Perdre 10 points pour votre maison et vous allez vous diriger en direction du coin. Adir, je te déteste. En plus, elle est sur un serre d'aigle. Putain, elle rigole en plus. Mais non. Silence. Bon, donc on peut. Vous vous taisez maintenant. Vous écoutez le professeur. Faire son cours, le prochain qui parle, c'est moins 5 points. N'hésitez pas, monsieur Diop, à retirer le point maintenant que le système était mis en place. Eh oui, n'hésitez pas. Professeur normal pour pouvoir retirer. Enlever des points à Cerdeg. Pardon ? On lui dit qu'il faut les professeurs. Et pas professeur apprenti. Non. Il me semble pas, monsieur Diop, parce qu'il y a un professeur apprenti tout à l'heure qui a donné des points. Je sais pas. Si vous pouvez.
Ah ok, bon, merci. C'est après que vous ne pourrez plus. Ah. Bon, donc est-ce que quelqu'un peut donner du coup la gestuelle donc, de ce sortilège? Oui, Aymeric. Tout simplement, il va falloir tendre le bras et pointer la baguette vers la cible tout en récitant l'incantation. Oui, c'est exact. Bon, donc, quelle est la fonctionnalité de ce sortilège? Donc, est-ce que M. Directeur pourrait nous faire une petite démonstration de Engrange Osculus? Ok. Bon. Oui, Kevin. C'est de la lumière verte qui jaillit de la baguette. Donc c'est pas vraiment ça. Larry, t'as l'air levé la main. Vous pouvez répéter Larry. Mais c'est quoi la forme physique du coup de Engorge Osculus? Attends, s'il te plaît. Donc c'est une lumière rouge ou violette qui est apparue au bout de la baguette. Oui, c'est exact. Donc son étymologie, donc c'est engorgio. Engorgio, donc ça vient du latin, donc ça veut dire remplir à l'excès. Et sculus, donc c'est un dérivé du mot latin scul, donc ça signifie crâne. Crâne. On traduit ça par remplir le crâne à l'excès. Bon, son utilité, est-ce que quelqu'un pourrait me dire donc certaines de ses utilités? Mais il n'y a pas que les... Non, ça y en a. Elle permet tout simplement. Merci de faire pour le follow, bienvenue dans l'équipe. Afin de la désorienter, par exemple. Oui. Donc, c'est prendre pour. Bienvenue à toi, Gangui, comment tu vas? Donc, il y a un chemin étroit qu'on doit passer. Et bah, prendre patient, du coup, on lui dit sortir, donc sa tête sera trop grosse, donc elle pourra pas passer. Ou bien, par exemple, des fois pour enfiler certains vêtements, on pourrait agrandir sa tête, donc il ne pourra pas enfiler ses vêtements, car son. Son crâne, du coup, sera trop grand. Trop gros. Ou si on peut utiliser ça pour faire la honte à une personne et se moquer d'elle. Bon, donc son histoire, donc elle est méconnue de Poudlard. Et donc, aussi, l'effet de ce sort, donc, comment dire, il est que temporaire. Bah écoute, ça va nickel. Aussi, donc, on peut l'annuler. Donc, toi aussi, t'es un joueur de Garry's Mod. Sorti, donc, son contre-sort, Redactum Cranius. Aussi, du coup, comment dire, donc plus du coup, la tête donc, de la créature ou de la personne sera grande, donc plus du coup, donc, le sortilège Retactum Cranius donc, demandera plus de puissance. Bon, est-ce que vous avez des questions? Non. Bah, ceux qui n'ont pas le sortilège, mettez-vous devant moi, un par un. Ne le faites pas sur moi, non. Engorge Osculus. C'est la même. Non. Bon, ça, il a sur la table. Je l'ai dit, j'ai un compte là. J'ai un compte à droite. Sur qui? Oui. Engorge Osculus. Non, refaites là, vous venez. Vous venez ici, vous visez tout droit là. Engorge Osculus. Voilà. Engorge Osculus. Voilà. L'accentuation. Vous pouvez aller là-bas. Andoun. Allez. Ça finit ton live. Engorgio Sculus. J'étais présent à l'ouverture du jeu. Yes. Oh non. Ça va commencer. Engorgio Sculus. Voici monsieur. Voilà. Prenez... Ok. C'est bien. Vous pouvez reculer s'il vous plaît, monsieur. Je ne peux pas prendre de... Non mais... Non. Au revoir. Pas maintenant. Non, attends la fin du cours pour leur donner. Ok, pas de soucis. Je vais aller, monsieur. Oui. Engorgio Osculus. Bah, au même endroit que le mien. Oh. Putain, non, je te mettrai le VIP à mon nom. Bien joué, Edouard. Bien joué, c'est très bien. Parfait. Allez-y, Salazar. Alors. Engorgio Osculus. C'est bien, très bien. Allez-y, Antonio. Gordon Sculus. Je te l'ai mis. Et je vais te le mettre après, promis. Gordon Sculus. Oh. Dommage, je peux sortir. Y'a pas moyen de me rattraper? Non.
Monsieur Diop. Oui. Allez, je te le mets de suite. Paramètres. Choussé. Questionnaire des rôles. Et puis, ajouter. Mamzel. Madoun. Qui a reçu le sort. Voilà. Espèce de sale clou. Mamzel Madoun a son VIP maintenant. C'est Kevin. Salut Alex. Faut lui retirer. C'est le professeur Meleagus. Il y a un élève qui me lance des protégoules. Ça s'appelle Kevin San. Ouais, j'avoue qu'au début c'était relou. La prochaine fois je retire. On peut y aller. C'est bon, il n'a plus le sort. Maintenant. J'ai fait exprès à tes mains qui derrière toi, Ambi. Beaucoup désolé, monsieur le directeur, c'était une erreur de ma part. Du coup, on nous le donne le sort ou. Non, là, moi, j'ai rien non du tout. Mais quand je vais revenir oh là là. En. Quoi, on n'a pas le sort ? Pourquoi on l'a pas ? Je vais te faire avoir. Parce qu'il est le professeur, parce que le directeur est. Oh, ça va après, je t'avoue, moi j'ai dev un serveur ou deux. Pas trop complexe. Ah, c'est quoi. Je t'avais pas reconnu. Il a. Moi aussi, je t'avais pas reconnu. Ça va ? Du c'est coup, bon. On a. T'as pas d'amis, toi. On a réussi l'incantation, on a pas sorti. C'est juste parce que genre, c'est le directeur qui a décidé ça. Mais nous, on se tapait. Mais cherche pas, mais cherche pas, mais cherche pas, mais cherche pas. Mais sinon quoi ? Des chelous tri, tu vas choquer. Reste calme. Reprends ton pouce et suce, s'il te plaît. Suce ton pouce, s'il te plaît. Suce ton pouce, s'il te plaît. T'es pas mort, toi ? Ah, j'ai même pas fait la pratique en fait. Non. Hein ? C'est ça que t'as appris ? Je l'ai vu non, tomber du pont et il arrive. J'ai pas réussi, ça me carte. Mais c'est quoi ton sort là ? Mais c'est quoi que t'as lancé ? Compositum, c'est quoi ça ? Compositum charme. Attends, je t'ai vu tomber d'un pont. Non, pas du tout. Et t'as rien. Non. Vous parlez à mon meilleur ami, je veux savoir. Imaginez, vous faites des trucs bizarres à mon meilleur ami. Imaginez. Imagination. On fait trop. C'est bon, tu veux. Comment ça, il est mignon ? Non, mais. Non, on a des problèmes. Je vais faire décoller le serpent. On a eu 3 cours, mais. T'as déjà vu un serpent volant là ? Non, c'est Kevin San. Ça fait Kevin mal aux oreilles, ça fait mal aux oreilles. Mais non, ils vont encore flex là. Oh, c'est en nous. Vous avez déjà vu un serpent volant ? Ah, encore des gens en cours là ou pas ? Non. Ouais, je te déconseille de faire ça, frérot. Hein, si t'as pas envie de te faire bouffer. Ah, mon crâne. Ah. C'est le tien du coup ? Hein ? Oui, c'est le. Et je vois que je suis pas le seul à parler franche langue du coup. Ah ok, je me demandais. C'est qui qui attend à HRP de seconde. Je me demandais c'est qui parce que. Mais il y a des swaps différents parce que. Genre moi je dis toujours le même truc. Ah d'accord. Ok on peut dire Ok. Beaucoup de notre découverte. Non c'est moi, vous avez la découverte de notre. Enfin, ouais, laisse tomber, on reprise RP. Ouais du. Ouais, c'est bon à savoir. Et on a l'aise. Oui. C'est encore Ristous qui parle fourchelon. Mais. Non, c'est pas moi. Wow,
Ouais, c'est comme ça que je l'ai appelé. Oui. Vous voulez choper où votre serpent, vous? Stream Element, il vient de sub. Ok, nickel. Au top. Merci, Stream Element. Ça, c'est au top, ça. J'ai Stream Element eux-mêmes qui ont sub, quoi. Ah non, mais c'est toi qui as offert un Stream Element. Mandoune. N'importe quoi. Ouais, mais faire ça, contre, moi, je l'ai juste trouvé au bord du lac, avant qu'ils mettent le protégo. On est plus devant lui. Ouais, pourquoi il y a. Ah, Antonio, qu'est-ce que tu fais? Attends, mais il est en train de parler au serpent là, c'est un truc de dingue. Comment ça, il parle au serpent? Bah, je vous laisse tranquille. Je pensais que j'étais tout seul, tu vois. Ça m'étonne. Oh, si tu savais. Le directeur m'a dit de faire profil bas par rapport à ça. Si Bonsoir, monsieur. Bonsoir, c'est le serpent dont vous m'avez parlé? C'est celui-ci, oui, en effet. Il est bien gentil. Hein. Bien. Désolé, ouais, monsieur, vous saviez que... Non, aucun problème. Et j'ai aussi appris que je n'étais pas le seul fourche-langue de l'école, du coup, ça me fait... Comment dire? Ça fait un peu de bien de se sentir moins seul. Oui, il y a beaucoup de fourches-langues en ce moment. Ah, j'ai cru remarquer ça, oui. Mais je crois que la direction n'est pas très contente, justement, par rapport. Non. Après, vous savez qu'on n'est pas fourches-langues sans mon autorisation. Monsieur le directeur. Oui. Puis-je vous parler, s'il vous plaît? Bon, allez. Pourquoi? Concernant votre sort? Car, non. Car on m'a jeté un sort et personne ne fait rien. Vous achetez un sort. Quel sort? Ils vous font chier avec leur cours de première année là, putain. J'y vais pas. Oula. Tiens, Salazar. Aspect. Ça va? Ouais, ça. Vous faites quoi de beau? Il y a plein de nouveaux. C'est bien. Il y a un bien spécial, on attend les cours de deuxième année. Hein. Qui n'auront pas lieu, qui n'est pas de professeur normal. Pas de professeur apprenti. Il y a cours en astronomie. Salut. Ouais, allez-y, le cours en astronomie. Voilà. Salut. Ah mais il y a cours là. Qu'est-ce que je te disais en astronomie? J'ai failli écraser ton serpent. Désolé petit serpent, excuse-moi. C'est pas grave. C'est bien, tu t'excuses bien, c'est bien. Bah merci. Ouais, il est pour rien là-bas. Ah, tu m'attaques pas hein. Bah non, il est gentil. Ah oui, j'espère. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il a déjà commencé ou pas le coup? Ouais, je crois. Mince. Je t'avoue, le cours de première année, moi, c'est en train de me saouler, ouais. C'est un cours de première année, là aussi? Ouais. Ça demande à Evan. Avec tu me suis, espèce de plouc. Moi, je crois que vous me suivez tout ça. J'ai perdu 10 points là. Et bouge, c'est ma place. Et je vais pas tarder à stopper. Je vais faire encore un cours, je crois, et je vais arrêter. Je vais voir un peu c'est sur quoi le cours. Waouh! Monsieur qui arrive, on va faire quoi comme sortilège sans discrétion?
Sortilège de l'évitement. Putain, il vous demande. Vous pouvez venir avec moi. Allez. Merci. Oh non. Non, mon frère. Ouais, bon, pour le sentir, je crois que je l'ai pas. Et après, je vais stopper là. Vas-y, on va pas me dire que c'est encore. Et après, on fera un petit raid, ça vous dérange pas. Je suis pas la meilleure placée pour parler. Adia, je vais te séquestrer. Et c'est pour ça que je viens de dire, entre autres, ah, des menaces. Non, mais t'es toi, en plus, t'es Serena, il va perdre des points à cause de toi. Bah ouais, bah on a déjà perdu 10, 20 points à cause de toi. Mais si on peut faire un combat, on attend du coup, en fait, là. Non, attends, on part sur un débat. On assiste à un clash ou on assiste à un troll zoo, là. Ouais, c'est le zoo, là. Faut remettre de l'ordre, monsieur. Oh, c'est lui qui parle, ça, là, ça. Que quelqu'un connaît le sortier. Culot. Bon, voilà, ça, Lazare. Allez, passe un bon tour. Est-ce que quelqu'un connaît le sortilège dans l'évitement? Il est parti normal, là. Tu me donnes même plus envie de revenir, quoi. C'est quoi, ça? Moi, j'ai un témoin. Excusez-moi. Ben non, ça, je connais, ça, j'ai les témoins. Moi aussi, je peux te ramener mon pote et dire c'est mon témoin, quand même. Bah, je vais stopper le RP, là. Je vais aller au... Vous avez manqué. Là, je vais aller au dortoir. Je vais aller au dortoir, on va stopper là. Et après on va faire un petit raid. Si vous avez quelqu'un à raid de spécifique ou pas, les gars? Dites-moi, on envoie. Restez jusqu'au bout, s'il vous plaît, juste le temps du raid. Ça fasse plaisir. Salut. Allez, on va se stopper là devant le... Allez, alors je vais regarder un peu qui on peut l'embêter. Allez, on va raid Bart. Bart, Géo. Twitch. Ouais, on va raid Bart. Restez jusqu'à la fin du raid, s'il vous plaît. Après, si vous voulez pas rester, faites ce que vous voulez, mais faites-moi plaisir juste. Ça lui fasse du bien. Donc, je vous envoie vers Bargeo, une très bonne personne qui fait du DBD. Faites-lui tous le bisou de ma part. Faites-lui tous un coucou de la part de Dante. Lâchez-lui le follow. Et voilà. Du coup, je vous envoie tous là-bas. Merci à tous. Gros bisous à tous. Ciao, ciao tout le monde. Ma gorge, elle va mourir. Hein. Oh là là, monsieur Dante, merci beaucoup.